Alors, abonne-toi à cette chaîne ici. C'est une bourse de master et doctorat en Turquie. Elle vient d'être lancée et elle offre une opportunité majeure. Donc, tous ceux qui souhaitent postuler pour la Turquie, c'est maintenant. Cette bourse, c'est pour des soins infirmiers. Donc, elle est dotée d'un financement énorme. Donc, tu m'as entièrement financé, billet d'avion, aller et retour après votre formation. Et vous avez la subvention, pension alimentaire, autant pour moi. Et la location aussi, les frais de transport, tourisme et beaucoup d'autres choses. Les frais d'intégration sociale avec la culture, vous aurez des cartes gratuitement. Et ici, il faut pouvoir d'abord postuler cette bourse et aussi comme d'autres bourses, parce qu'actuellement la Turquie offre plusieurs bourses. Et restez justement attentif à cette chaîne en t'abonnant, en likant le contenu, en commentant et en laissant tes propres suggestions concernant les études en Turquie. Ça nous aidera à mieux travailler sur ce point-là. Et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir suivre ce programme de formation en Turquie pour les soins infirmiers? Tout le monde peut postuler si vous avez déjà une licence et peu importe votre pays, donc vous pouvez aller étudier en Turquie. Cette bourse, elle est offerte à tous ceux qui ont un diplôme de licence, peu importe la filière de votre diplôme de licence. Vous pouvez aller directement faire un master en Turquie en soins infirmiers, une bonne formation qui vous permettra de mieux vous exprimer. Donc, ici, on va voir, on va aller comment, on va aller postuler à la bourse. N'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur le lien à la barre de description de la chaîne pour ne pas rater nos publications. Il faut liker ce contenu et à t'abonner à la chaîne surtout. C'est très important. Si tu veux voir d'autres bourses tomber entre tes mains, abonne-toi à la chaîne. C'est le plus important. Donc ici maintenant, pour pouvoir postuler à cette bourse, vous devez lire d'abord comment est-ce que je peux faire pour être éligible au master. Au master ou bien au programme de PhD pour ceux qui veulent faire cursus doctorat. Et ici, vous devez beaucoup poser souvent des questions s'il faut que les documents soient en anglais ou bien s'il me faut connaître l'anglais avant de postuler ou de studier en Turquie. Je vous dis que il faut aussi, faut maîtriser l'anglais, c'est incontournable et c'est ça qu'il faut pour pénétrer la Turquie. Donc ici, allez voir. Tout ce qu'il faut comme condition et au préalable avoir certaines une formation en langue le plus tôt possible. Devoir avoir le TOEFL et ici English Potential Test Reserve Only TOEFL à cette score 80. Donc il faut déjà avoir votre confirmation. Donc, lisez attentivement les critères avant de postuler à cette bourse maintenant. Donc, les places sont énormes. N'hésitez pas de le faire aussitôt. Par ailleurs, réagissez vite. Donc, ici, lorsque tout est déjà rempli, vous allez vous rendre compte que vous aurez des adresses e-mail ou des numéros de téléphone pour pouvoir appeler directement au centre d'études des bourses. Je rappelle, être actif et appeler au centre d'études des bourses parce que beaucoup nous écrivent aussi disant j'ai besoin de telle information. Lorsqu'on vous octroie des liens et des vidéos et des procédures en créant les liens aussi à la barre de description pour pouvoir postuler vous-même aux bourses, essayer de faire des efforts de contacter ces instituts directement, c'est bien possible. Parce que nous-mêmes nous contactons pour vérifier si la bourse elle est effectivement lancée. Donc vous allez voir ici des contacts pour pouvoir contacter ces personnes à Istanbul, en Turquie. Vous pouvez aussi faire un fax, pour un fax comme sous forme de lettres, de salutations, pour demander si la bourse
Elle est effectivement lancée dans Zwick. Ayez des correspondances faciles, mes amis. Abonne-toi à la chaîne, like le contenu. Et ici, pour savoir le online application, on va voir online application dont nous vous devez choisir ici votre pays directement avant de postuler à la bourse. Vous allez voir biomédical, business administration, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de programmes. Et ici on dit le semestre de 2022, du 2021-2022, application deadline, c'est décembre 2021 à minuit. Ici, d'autres périodes sont passées. Ici, on vous dit avril 2022. Donc, vous pouvez postuler à certains programmes rapidement en vous inscrivant. Et ici, avant de postuler à ces programmes, ceux qui veulent, il y a déjà beaucoup en ont déjà essayé. Vous allez voir Master 66, Doctorat 34. Et beaucoup sélectionnent ces filières. Ça dépend de leur programme de formation. Donc ici, vous devez remplir tous ces critères-là et respecter aussi ces conditions et postuler à la bourse proprement dit. Donc, c'est ça, on va poser à tout moment cette question. Ça affiche Cameroun, donc c'est un coaching des candidats que nous avons eu à effectuer. Déjà à distance, ça permet de vous dire où le candidat travaille, son dossier, ainsi de suite. Donc, vous vous enregistrez pour faire votre pour postuler vous-même ici. Donc, c'est pratiquement la même pour d'autres bourses. Cette plateforme, ça accueille plusieurs bourses. Ici, vous devez créer le compte afin de continuer et aussi, soit vous connectez à votre compte Google ou Facebook pour directement continuer votre inscription à la bourse directement. Like le contenu, abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu. Donc, clique le lien là-bas dans la description de cette chaîne là pour ne pas pour directement accéder à ce site directement. Clique sur le lien aussi rapidement. Ici, vous avez la possibilité de consulter les programmes offerts par l'université pour les étudiants internationaux en Turquie, les programmes que la Turquie offre et les dates pour pouvoir postuler et les conditions aussi. Bon, vous allez voir beaucoup les écoles de médecine, l'école des sciences humaines, sciences économiques, l'école des ingénieurs. Donc, je suppose, je prends peut-être cette école. Vous allez voir, on va détailler, on va dire 4 ans de programme. Donc, vous allez voir tout comme tout ce qui comment ça se passe et comment vous devez faire pour postuler. Vous devez cliquer ici pour aller dans le programme directement et cliquer là pour voir les tarifs d'inscription très important pour ceux qui veulent faire fréquenter les tarifs déjà 9 500 dollars. Donc, vous devez voir votre filière et le montant pour étudier en Turquie. Si vous n'êtes pas boursier, autant pour moi. Ici, il y a plusieurs. Il y a aussi des coûts qui coûtent très moins cher, mes amis. Donc, ici, vous avez 9 000 dollars. Donc, la Turquie offre de très bonnes formations.
importante pour pouvoir être retenu en Turquie. Vous allez lire au fur et à mesure pour les étudiants internationaux. Donc j'essaie de fouiller quelques compartiments pour vous éclaircir. N'hésitez pas à être abonné à la chaîne, de liker le contenu. Clique sur le lien à la barre de description pour accéder à cette page. Donc vous allez voir ici tous les critères qu'il faut pour éviter tout désagrément sur votre dossier. Donc vous allez voir là l'ensemble des critères. Donc comment aussi écrire une lettre de motivation, parce que c'est ça qu'il faut. Et la lettre de recommandation pour ceux qui poursuivent dans les bourses, je vous dis, il vous faut toujours et obligatoirement le CV et la lettre de motivation. Parfois la lettre de recommandation par votre école, un professeur ou le doyen ou le recteur ou le président de l'université vous fait une lettre de recommandation pour dire vous avez effectivement effectué votre filière et que vous êtes brave et excellent à aller dans l'école. Donc c'est une correspondance qui permettra de mieux rendre votre dossier puissant aux yeux des jurés quoi. Donc vous allez voir, tout ceci vous aide à mieux fouiller pas à pas. On n'hésite pas à être abonné à la chaîne, de partager ce contenu aussi à tes camarades, à tes amis, à tes frères, pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ce contenu. Ciao.